Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment calculer la porosité et la compacité des solides. Nous allons l'apprendre tous ensemble. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, avant de pouvoir arriver à la formule de la porosité, vous montrer comment calculer la porosité, il est nécessaire de faire un petit rappel de cours. Donc, nous allons savoir tous ensemble c'est quoi déjà la masse volumique absolue et la masse volumique apparente, donc la différence entre les deux. Alors, la première masse, la masse volumique absolue des matériaux et la masse d'un mètre cube de ce matériau, déduction faite de tous les vides, vous voyez, de tous les vides, aussi bien des vides entre les grains que des vides intérieurs des grains. Donc le schéma le montre. Donc la masse volumique absolue, c'est tout simplement la masse du cratère Curie. Donc après déduction des vides, que ce soit des vides que vous voyez à l'extérieur, que ce soit des vides intérieurs, donc après déduction de ces vides, donc on garde que la matière solide, c'est ça la masse volumique, la masse volumique absolue en fait. Donc quand on dit absolue, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vide ni de l'eau. Donc les vides, c'est rempli soit par de l'air ou soit par de l'eau. Parce qu'il n'existe pas vraiment de vide, vide absolu. Donc quand c'est un vide, soit c'est rempli par l'air ou par l'eau. Donc du coup, si on essaie de déduire les vides intérieurs, les vides extérieurs, ça nous reste juste la matière assurée, la partie assurée, donc c'est ça la masse volumique en fait, absolue, c'est ça cette masse qu'on appelle masse volumique absolue, parce qu'il n'y a pas de vide, ni l'eau, ni l'air. Donc, sur le petit schéma, pour la petite légende, on voit la volume assurée est égal à la masse volumique absolue, donc pas de pore, donc il n'y a pas de vide, pas d'eau, pas de l'air. Donc, pour la deuxième masse, c'est la masse volumique apparente. Donc la différence de la masse, à la différence de la masse volumique absolue, pardon, la masse volumique apparente, c'est toute cette partie assurée. Donc ça, c'est en fait c'est ce qu'on voit à l'œil nu lorsqu'on voit un objet. Donc que ce soit des vides extérieurs ainsi qu'intérieurs, c'est compris. Voilà pourquoi on dit c'est une masse volumique apparente. Donc ce qui est apparent devant nous, ce qu'on arrive à voir, à visualiser. Donc la masse volumique apparente des matériaux. Et la masse volumique d'un mètre cube du matériau prise en compte, donc prise étant, pardon, prise en tas, excusez-moi, donc entre parenthèses d'accumulation, comprenant à la fois des vides perméables et imperméables de la particule ainsi que les vides entre particules. Donc du coup, c'est comme j'essaie d'expliquer tout à l'heure, la masse volumique apparente, c'est la masse qu'on arrive à voir, donc sans qu'on puisse déduire des vides, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc c'est la masse qu'on arrive à voir, ce qui apparaît devant nous. Lorsqu'on voit une roche, ce qu'on voit tout juste devant nous, c'est ça la masse volumique apparente en fait. Donc il n'y a pas de déduction de tout ça. Donc la petite légende, c'est toute la partie assurée, donc c'est tout ce récipient vers vous. Donc c'est ça la masse volumique apparente. Donc là, on arrive à un point où on connaît la différence entre ce qui est masse volumique absolue et masse volumique apparente. Donc on peut maintenant continuer pour expliquer c'est quoi la porosité. Alors, quand on écoute la porosité, c'est déjà tout ce qui, disons, tout ce qui est vide. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est vide, le vide n'existe pas, même une pièce, une salle de classe ou une chambre. Même si il n'est pas aménagé, quand on parle d'une maison vide ou d'une chambre vide, dans les matériaux de construction, c'est pas la même chose parce que le vide est toujours rempli de l'air ou de l'eau. Donc, quand il y a un vide, il n'y a pas de l'eau, donc il y a de l'air. Donc, la porosité en général, la porosité, pardon, est le rapport du volume des vides. Donc, quand on parle de porosité, c'est ce que je vous ai dit, donc quand on parle des vides, rapport des vides au volume total, donc VT. Donc, c'est le rapport entre VV, donc volume des vides, donc ces vides qu'on voit là, divisé par le volume total. Donc, c'est ça la porosité en fait. Donc, on peut aussi définir la porosité comme le volume des vides par unité de volume apparent.
passer le volume à parole, c'est tout le volume total qu'on arrive à voir, tandis que le volume des vides, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la différence entre la positive et la compacité, que la compacité maintenant, c'est le contraire en fait. Donc c'est le volume de tout ce qui est solide, c'est le rapport de volume des solides divisé par le volume total. Et encore, on parle de porosité. Sachez déjà que si vous écoutez la porosité, il s'agit des vides. Et quand on parle de la compacité, donc il s'agit de la matière compacte en fait, quand on déduit le vide, donc ce qui reste comme sur la masse volumique absolue. Alors là, on connaît la différence entre la porosité et la compacité, et nous avons des formules, nous savons que la porosité est égale au volume de vide divisé par le volume total. Et il y a un rapport entre la porosité et la compacité, c'est ce qu'on voit là. Donc la compacité de sa première formule, c'est le volume de tout ce qui est solide divisé par le volume total. Et la même compacité est égale à 1 moins la porosité. Donc on a déjà un rapport entre la compacité et la porosité. Voilà pourquoi pour calculer la porosité, on passe par la compacité, et d'où l'explication des deux en fait, et la différence. Donc nous avons une troisième formule de la compacité, donc c'est la masse volumique apparente divisé par la masse volumique absolue. Donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Soit c'est le volume de tout ce qui est solide divisé par le volume total. Donc ça veut passer par les masses volumiques. Donc c'est la masse volumique de tout ce qui est apparente divisé par la masse volumique absolue. Donc c'est ça la compacité. Donc ayant compris le cours, donc sans plus tarder, nous allons partir maintenant à l'exercice. Alors, exercice. Voilà, notre exercice se trouve ici. Voilà, donc on va déjà vous lire le but de l'exercice. Donc le but de cet exercice-là, bah, ce but que vous voyez, c'est pour les exercices de suite, mais je vais vous lire quand même le but de ces exercices parce que ça va s'enchaîner. Donc premièrement, c'est de définir le module de finesse d'un granulat, savoir sa méthode de calcul, définir les deux aspects de la masse volumique apparente et de la masse volumique absolue, donc c'est ce que on vous expliquait tout à l'heure, calculer la teneur en eau d'un granulat, définir ce que c'est le foisonnement d'un sable et les règles de calcul de dosage du sable. Et le cinquième point, le tout dernier, c'est savoir utiliser du tamisage et calculer les refus et les tamisages. C'est simple que ça. Donc, notre exercice nous dit, on nous dit, sachant que la masse volumique apparente d'un granulat est de 1800 kg par mètre cube et sa masse volumique apparente est de 3000 kg par mètre cube. Donc on sait que la masse volumique apparente, c'est la masse que l'on voit tout juste avec les vides et tout, mais on ne les a pas déduits. Et la masse volumique absolue, c'est lorsqu'on déduit les vides, donc il n'y a ni l'air ni air. Donc on nous dit de déterminer le pourcentage des vides contenus dans ce granulat. Donc en réfléchissant bien, lorsqu'on voit cette phrase déterminer le pourcentage des vides, je vous ai dit que les vides, c'est soit sont remplis soit par l'eau ou soit par des vides. Donc, soit par de l'air, excusez-moi. Donc, quand on parle des vides, automatiquement, on vous parle de la porosité. Donc, soit quand on vous parle de la matière solide, donc c'est la compacité. Donc, lorsqu'on nous dit de déterminer le pourcentage des vides, pas de panique, c'est aussi simple que ça. Donc, nous allons partir sur la feuille que j'ai essayé de détailler tout ça avec vous, parce que là, nous sommes allés rapidement. Alors, sur le petit détail, nous avons des données, donc on a notre masse volumique absolue. Excusez, on a la masse volumique apparente. Et premièrement, on nous dit de calculer la porosité. Voilà, la porosité, c'est le pourcentage des vides. Donc avant de calculer cette porosité, comme expliqué dans le cours tout à l'heure, on ne peut pas passer par la compacité directement, étant donné que la formule de la porosité. On ne peut pas passer par la porosité directement, étant donné que la formule de la porosité, c'est le volume des vides divisé par le volume total. Mais d'après les données de l'exercice que nous avons, on nous a donné les masses volumiques et non les volumes. Donc du coup,
On n'a pas moyen d'utiliser, d'appliquer directement la première formule de la porosité que nous avons deux sur volume de vide sur volume total. Mais en réfléchissant bien, on sait que la porosité a un rapport avec la compacité. Et c'est cette compacité-là qui s'exprime par la masse volumique apparente sur la masse volumique absolue. Donc, en revenant sur notre exercice, on remplit les caractéristiques de la compacité. Donc, on calcule d'abord la compacité. Donc la compacité est très simple, c'est la masse volumique apparente divisée par la masse volumique absolue, donc ça nous donne 0,6. Donc en pourcentage mesuré par 100, c'est 60%. Donc suite au calcul de la compacité, nous savons que la compacité et la porosité ont un petit rapport. Donc de la présence de ces formules-là, des petits rappels, on sait que la porosité c'est le volume de vide sur le volume total. Donc on sait aussi que la porosité plus la compacité est égale à 1. Et la compacité est égale au volume de vide sur le volume total. La compacité encore, la même compacité est égale au volume apparent sur le volume absolu. Donc on sait que la compacité plus la porosité est égale à 1. Donc étant donné qu'on a la compacité, on a sa valeur, donc on peut tirer la porosité dans cet exercice, d'où la question principale de notre exercice. Donc on tire n, la porosité serait égale à 1 moins la compacité. Donc 1 moins 0,6, ça nous donne 0,4 pourcentage, vu qu'on nous a demandé le pourcentage de vide à la base de l'exercice, on a dit de déterminer le pourcentage de vide contenu dans les granulats. Donc quand on parle de pourcentage, donc c'est en pourcentage, on doit multiplier par 100. Alors, d'où les 0,4 seront multipliés par 100 pour obtenir 40%. Donc l'exercice a été tellement simple, un petit exercice d'explication. Bah, on a pris tout le temps d'expliquer le cours pour essayer de rappeler aux gens les notions et de permettre de mieux comprendre. Donc j'espère que vous aurez très bien compris avec cette explication. Si c'est le cas pour vous, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et si vous voulez voir la suite des exercices, parce qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas perdre de fil des exercices à chaque fois qu'il y aura une publication et vous recevrez la notification. Donc, merci pour le temps accordé et je vous souhaite de passer une excellente journée, bonne compréhension. À très vite.